Je vous dessine votre diplôme de 6e date. Saute Canadien. Le président de l'Association gabonaise des arts martiaux AGAM, maître Raymond Obam-Sima, a remis officiellement son diplôme de 6e dan au maître Cyril Mengwa au cours d'un entraînement organisé en son honneur. Obam-Sima a agi sous mandat express du maître Pierre Fulbert Mollet, président fondateur de la Shotokan World Karate Federation. L'impétrant a obtenu son parchemin à la suite de l'examen de passage de grade international tenu du 19 au 21 décembre dernier à l'Institut de la Jeunesse et des Sports de Yaoundé au Cameroun. Un honneur pour le karaté gabonais. Un honneur pour la gamme, bien sûr, parce que nous bénéficions chaque jour depuis des années des enseignements de maître Cyril Mengwa. Et le fait qu'il ait été, qu'il soit promu à ce grade permet de confirmer que nous sommes dans la bonne direction avec lui. Mais c'est également pour nous un honneur pour le karaté gabonais, parce que d'abord la Fédération internationale de la Shotokan World Karaté est présidé par un Gabonais et l'instructeur qui a été promu aujourd'hui est également un Gabonais. Réputé pour sa passion, son amour, son savoir-faire et sa rigueur dans la pratique du karaté, maître Cyril Mengwa a livré avec passion son premier cours en sa qualité de 6e dan à ses frères venus de plusieurs autres clubs de la capitale. Adepte de cette discipline depuis une quarantaine d'années, ceinture noire depuis 34 ans, l'homme n'a pas fini d'offrir à ce noble art son savoir-faire. L'ancien international, le désormais directeur technique de l'Association gabonaise des arts martiaux, est né le 13 juin 1968 à Lambaréné. À 56 ans, maître Mengwa s'est désormais reconverti dans la formation. Lors de son tout premier entraînement, il a mis en application une des recommandations importantes du Shotokan World Karaté, Pierre Fulbert Mouili. C'est un sentiment de satisfaction. En fait, c'est ce que nous demandons. Nous voulons unir à nouveau tous les karatékas. C'est les recommandations que le grand maître Pierre Fulbert Mouillet nous avait données. C'est-à-dire que travaillons main dans la main, remettons-nous ensemble pour bosser ensemble notre karaté. Cette cérémonie est la preuve que le karaté gabonais a un bel avenir.